Bonjour, bienvenue dans une nouvelle initiative de l'Odyssée. Parallèlement aux suggestions cinéphiles, nous venons d'en faire 32 au jour d'aujourd'hui, eh bien, nous avons décidé de faire une série parallèle, les chroniques de l'Odyssée. Il ne s'agira pas plus exactement de parler de suggestions de films, mais de mener une réflexion sur le cinéma et notamment l'Odyssée à travers dans le monde tel qu'il est ou plutôt tel qu'il ne va pas. La première question qui se pose, c'est celle de la réouverture des salles de cinéma. Il faut d'abord bien voir que nous sommes dans une situation de crise parce que il y a un certain discours ultralibéral qui a fait naufrage. Il s'agissait de réduire le nombre de lits d'hôpitaux de réanimation, de réduire les stocks de masques à 1,4 milliard qui existaient il y a 10 ans et qui n'existent plus aujourd'hui. Il y avait 25 000 lits de réanimation, il n'y en a plus que 5 000. Et donc tout cela fait qu'on est dans une situation de très mauvaise préparation par rapport à cette tempête virale. Il est évident que, d'après malheureusement le pronostic que moi je fais, qu'il n'y aura pas de perspective de réouverture des salles de cinéma, dans le meilleur des cas, avant septembre 2020. J'espère de tout cœur me tromper, mais j'ai bien peur que ça ne sera pas le cas. Bien sûr, la réouverture suppose comme condition la plus élémentaire préalable une garantie optimale de la sécurité du public, sur le plan sanitaire évidemment, et de la sécurité du personnel qui travaille dans les salles de cinéma. Donc on ne peut pas taper du pied de façon capricieuse par terre en disant « je voudrais que ça ouvre en juillet parce que sinon je vais être en grande difficulté ». Nous sommes en grande difficulté bien sûr, mais il faut faire les choses de manière maîtrisée. Évidemment, tout le problème qui se pose, c'est de savoir que faire dans cette période qui est immédiate, actuelle, qui est une période de confinement qui va progressivement se transformer en déconfinement par palier. Étant entendu que tout sera plus décontracté à partir du moment où on connaîtra un traitement et où il y aura un vaccin contre ce méchant virus. Et là, on peut craindre qu'il n'y aura aucun résultat palpable, concret, avant le début du printemps 2021. Donc en attendant, comment vivons-nous cette période de confinement et de déconfinement par palier? Eh bien, en entretenant, nous, à l'Odyssée, en continuant d'entretenir un lien avec notre public d'amis spectatrices et d'amis spectateurs. Nous privilégions pour cela notre site, notre page Facebook et notre chaîne YouTube à travers notamment les suggestions, mais à travers d'autres initiatives, notamment, je pense, de proposer une gamme très complète de plateformes où on peut consulter et visionner des films. Il y aura encore d'autres initiatives dont je vous parlerai plus tard que nous sommes en train d'envisager. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, évidemment, à partir du moment où il y aura, vous voyez, la salle est vide, mais on entend des bruits, ce sont les fantômes qui hantent le parfum de la salle en noir, que j'espère nous retrouverons le moins tard possible. Eh bien, je pense qu'il y a, au moment du retour à la « normale », entre guillemets, eh bien, nous sommes bien outillés à l'Odyssée, puisque notre slogan, vous le savez, c'est l'Odyssée ou le cinéma autrement, ce qui signifie deux choses. Premièrement, nous créons notre propre actualité de programmation. Nous sommes d'une certaine manière des éditeurs de programmes, et donc il y a suffisamment de films récents et anciens, ou déjà sortis, dirons-nous. Godard disait, on ne dit pas un livre ancien quand on parle de Guerre et Paix de Tolstoï. Donc
Le moindre des respects, c'est de ne pas parler de films anciens. Eh bien, nous continuerons à faire cette programmation autrement, c'est-à-dire à créer notre propre actualité de programmation. Et la deuxième, donc nous ne sommes pas tributaires de l'existence de blockbusters qui vont sortir, etc. Nous avons fait le pari d'entretenir un dialogue à travers les programmations cinématographiques fondées sur l'intelligence avec nos amis spectatrices et spectateurs et la parole, puisque nous pourrons faire des projections débat. Et d'une certaine manière, les projections débat, ben, on les remplace avec nos suggestions et avec les chroniques de l'Odyssée auxquelles vous assistez maintenant. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que la deuxième caractéristique du cinéma autrement, ça veut dire que nous sommes fondés sur un modèle économique qui n'est pas un modèle où le moteur, c'est la recherche du profit. Notre objectif, c'est de ne pas perdre de l'argent ou d'en perdre le moins possible, ce qui nous autorise à prendre des risques. Alors vous direz, oui, mais c'est parce que vous avez une subvention. En effet, la subvention de la ville de Strasbourg représente à peu près 28% du chiffre d'affaires total de l'Odyssée. Et donc, c'est d'une certaine manière quelque chose qui est intéressant, puisque la ville de Strasbourg investit de l'argent. Et sur la base de cet argent, il y a un chiffre d'affaires qui est augmenté, en quelque sorte, et qui permet d'employer un certain nombre de personnes. Nous sommes aussi une source d'emploi et un bassin d'emploi, comme on dit dans le chiffre économique. Alors oui, mais vous êtes subventionné, ben, bien sûr. La culture n'est pas une marchandise et les activités culturelles doivent être subventionnées. Après tout, on sait aussi qu'une subvention dans le domaine de la culture, eh bien, rapporte, se démultiplie. On sait tous que pour 1 euro d'investi dans la, sous forme de subvention, eh bien, il y a 3 euros qui sont générés. Donc, il faudra quand même tirer les leçons et faire en sorte que ce ne soit plus le mercantilisme cynique et obstiné qui soit le seul mode de fonctionnement de l'activité culturelle et que on soit capable d'imaginer des modèles avec des variantes. Et en tout cas, nous en sommes, nous, l'incarnation de la possibilité d'existence de modèles alternatifs. Donc, je ne m'en fais pas trop pour la période de reprise, comme on dit. La seule chose pour laquelle, pour l'instant, il faut qu'on soit très attentif et pour laquelle j'ai quelques craintes, eh bien, c'est la durée de cette période de confinement puis de déconfinement par palier pour savoir quand les salles de cinéma pourront rouvrir, quelles sont les cautions, les garanties de sécurité sanitaire qu'on pourra leur proposer, qu'il faudra leur proposer, et attendre avec patience que les spectateurs reprennent l'habitude, ce qui ne se fera pas en un jour aussi, reprennent l'habitude de venir goûter le parfum de la salle en noir, les salles de cinéma où le temps d'une projection, on s'identifie avec d'autres personnages qui ne sont pas nous, et ce qui nous apprend à devenir plus proches des autres et en même temps, de la sorte, à mieux nous connaître nous-mêmes. Et qui vivra verra, mais une chose est sûre, the show must go on, et parce que the show must go on, dans cette période, pour l'instant de confinement, eh bien, nous aurons l'occasion de venir parler de beaucoup de questions concernant le cinéma, l'Odyssée, l'économie du cinéma, les initiatives que nous sommes en train d'imaginer. Et si vous avez des questions que vous voulez nous poser ou si vous êtes intéressé éventuellement par notre point de vue sur telle ou telle question concernant le cinéma et le 7e art, eh bien, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur notre site cinemaodyssée.com ou alors à nous envoyer un mail à notre adresse mail cinemaodyssée@gmail.com. C'était une chronique d'introduction
Je vous donne rendez-vous à bientôt. J'espère qu'on pourra tenir le rythme de 2 chroniques par semaine. À très bientôt. Au revoir. Merci.